Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous présenter mes garages, donc mon garage plutôt, parce que j'ai tout rassemblé dans le même garage. Comme ça je suis tranquille, j'ai pas plus besoin de traverser la ville entièrement pour aller chercher des véhicules. J'ai tout dans le même garage, donc c'est très simple. Si vous voulez participer à cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Vous me dites par exemple, je veux bien que tu présentes mon garage, mais par contre c'est un garage pour chaque personne, c'est pas plus. Donc je préfère préciser, donc si vous voulez que je vous présente vos véhicules dans un garage, vous rassemblez un maximum de véhicules, comme ça je pourrai les présenter. Après si vous avez un garage complet comme moi ici, un garage à 2-3 étages, bah vous me le dites, comme ça je le présente, parce que ça compte quand même. Mais si vous avez un garage au bout de la map, par exemple si vous avez un garage, j'y sens, ici, vous avez un garage là et un garage là-bas, je peux pas faire tous les garages, c'est un garage pour chaque personne. Donc vous pouvez me dire, c'est sur Xbox One, bien sûr. Donc on va commencer en haut, il n'y a rien pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de place. Donc en bas, on va commencer par les motos. Donc ici, il y a les petites motos, donc je ne vais pas dire tous les noms de véhicules, mais je vous montre un peu pour les personnes qui veulent savoir, qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur GTA. Donc voilà les petites motos. J'adore vraiment, enfin je décustome un peu les motos, surtout pour faire des stunts. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de custom au freinage, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est vrai, enfin la custom, la bâtie, qui est vraiment belle. Qui reste une belle moto, la bâtie. J'adore la couleur comme ça, noire, avec les roues blancs sur les côtés et tout. C'est vraiment stylé, elle est belle, la bâtie. On va passer au véhicule en dessous. Donc, je précise, les voitures que vous allez voir, c'est pas des lobbies que j'ai fait, des glitches d'argent et tout. Je préfère prévenir, c'est juste des activités que j'ai fait, double RP et XP. Donc, c'est pour ça que j'ai en gros, je suis remonté en level et un maximum de thunes. Donc j'en ai perdu un peu parce que j'ai acheté des véhicules, j'en ai revendu. Donc vous allez voir, mais vous inquiétez pas, c'est pas de la triche, c'est de l'argent vraiment gagné. Donc ici on a la Akuma blindée, elle est vraiment stylée, j'adore. J'ai changé les pneus mais elle est vraiment belle. Et ici on a la même, mais blindée, c'est 4x4 blindée. Donc il est vraiment stylé, maximum vitesse, il n'y a pas grand chose, accélération non plus, freinage, il n'y a pas grand chose. Enfin je mettais un peu plus de freinage. Voilà la voiture, je vous montre un peu, je vais pas faire tous les noms des voitures, n'oubliez pas. Je vous dis qui que j'ai en voiture, mais je vais pas le dire tout. Hop, ici c'est vraiment stylé ça là, je la kiffe. Donc je vous fais clouter les klaxons si vous voulez savoir. C'est la buzz. Voilà. C'est la buzz des klaxons, j'adore. Hein. Donc c'est vrai, alors freinage par exemple, il n'y a pas beaucoup non plus. Après maximum vitesse c'est pas mal. Et accélération c'est à fond. Juste du freinage là-dessus. Après aussi on a la nouvelle voiture qui est sortie il n'y a pas très longtemps, Neuron Custom, qui est vraiment belle, la Neuron Custom, elle est vraiment custom, c'est la façon, elle est freinage, il n'y a pas grand chose, vitesse il en manque un tout petit peu, accélération elle est à fond et traction elle est pratiquement, il manque un truc, il faut juste du freinage en fait, il faut que je rajoute du freinage sur mes véhicules, c'est ça qui manque. La LDD, la MTD qui est vraiment belle, j'ai custom il y a pas longtemps parce que à la base elle était un peu comme ça, elle était pas à fond, donc là elle est pas mal encore, c'est juste les freinages pareil qui manquent. Et vraiment mon coup de cœur que j'adore, c'est l'insurgent qui est vraiment stylé, qui fait des reflets et tout, qui est vraiment cool, mon insurgent. Je kiffe vraiment l'insurgent, il a une couleur heure un peu, on ne voit pas trop à l'intérieur, je vais le sortir de mettre du garage aussi, voilà. Pareil c'est freinage qui manque et vitesse qui est pas à fond, donc je vais vous montrer un peu le. Ah, le klaxon ça change pas, voilà, ça fait pas, ouais ça fait un peu heure doré en fait, ça fait pas vraiment heure en fait, ça fait je sais pas, argent, je crois c'est argent un peu, ça fait vraiment stylé, j'adore, avec du bleu sur le côté, j'adore le bleu, donc la couleur de la team. Donc voilà l'air sur Jean, je voulais vous montrer vite fait, mais il est vraiment stylé, j'adore. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu les garages, les véhicules que j'ai dans mon garage. Donc si vous voulez que je les montre, bah dites-moi les dans les commentaires, je peux vous montrer aussi les vôtres. Donc pour participer c'est très simple, vous me dites dans les commentaires, c'est sur Xbox One bien sûr. Donc vous me dites, bah moi je veux bien que tu présentes mon garage, mais j'ai plusieurs garages, mais c'est un garage par chaque personne, je précise, je peux pas visiter tous les garages, si vous en avez en moins une quinzaine c'est mort, c'est pas possible.
Donc, du coup, voilà, n'oubliez pas, bien sûr, je préfère vous dire encore une fois que les véhicules que j'ai, c'est pas de l'argent seul, c'est l'argent de GTA, c'est-à-dire les activités que j'ai faites, qui m'a servi à acheter les véhicules. Donc, il y avait des véhicules que j'avais, il y en a, ils savaient pas, donc je vais vous montrer les nouvelles. Donc, c'est celle-là, la nouvelle. Elle, c'est nouvelle. Elle, c'est nouvelle. Et là, c'est nouvelle. Ça, je l'avais déjà. Je m'en servais jamais. Ça, c'est pareil, je l'avais déjà, mais je m'en servais très peu, mais elle était couleur noire. La Kuma, et après les motos, c'est pas des nouvelles. Ça fait longtemps que je les ai. Donc, les trois nouvelles, c'est ça. Les deux voitures là, et l'insurgent. Donc, c'est pour ça, venez pas me dire dans les commentaires, t'as triché, c'est des comptes, c'est des comptes, c'est de l'argent sale et tout. Non, non, c'est vraiment des activités. Je fais ça avec la team Derby et on fait des activités. Puis voilà, c'est comme ça qu'on gagne un maximum de thunes. Et bah, si ça tente du monde pour jouer avec nous, pourquoi pas, on peut jouer avec vous. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Donnez votre avis sur tous les véhicules ou un maximum sur le garage, ce que vous en pensez, c'est lesquels véhicules vous aimez le plus. On va partir sur les voitures, les motos, dites-moi aussi lesquelles vous avez plu, la Batty, la Kuma et l'autre petite moto en forme d'Harley Davidson. En véhicule, vous me dites lequel qui vous a plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas si vous voulez participer de me dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut tout le monde.